Thank you.
Accès autorisé. T'as entendu ce que Lazare a raconté? Tout ce putain de pays part en couille. Les États veulent quitter l'Union. Et si ça arrive, le gouvernement va se casser la gueule vite fait. Sauf si un autre enfoiré débarque et pique la place. T'es un ex-flingueur? T'as bien leur look. Alors tu connais la fourmi? Ça fait des années qu'ils pètent la gueule aux flambeurs. Mais faut pas trop le faire chier. Parce qu'il aime bien péter la gueule en général. Et si ça arrive, le gouvernement va se casser la gueule vite fait. Sauf si un autre enfoiré débarque et pique la place. Mais faut pas trop le faire chier. Parce qu'il aime bien péter la gueule en général. Mais faut pas trop le faire chier. Parce qu'il aime bien péter la gueule en général. Mais faut pas trop le faire chier. Parce qu'il aime bien péter la gueule en général. Écoutez, on s'est tout dit. Si vous voulez cette vidéo, débarrassez-moi de ces deux dealers qui veulent ma peau.
bordel! J'aime pas ça. Cherchez, enfoiré! Écoutez, on s'est tout dit. Si vous voulez cette vidéo, débarrassez-moi de ces deux dealers qui veulent ma peau. Je me suis chargé des dealers. Maintenant, donnez-moi la vidéo. Merci, Jensen. Je sais que vous n'avez pas dû faire ça de gaieté de cœur, mais vous m'avez sorti d'un sale pétrin. Voilà votre vidéo. Écoutez, Tyndall, je sais que vous avez cru agir au mieux. Mais si on ne respecte pas les règles, c'est le chaos. Je vais vous mettre en contact avec quelqu'un de Sarif Industries. Il pourra peut-être vous fournir de la neuroposine, pour ceux qui en ont besoin. Vous êtes sérieux? Vous feriez ça? J'aurais jamais cru ça de vous, Jensen. Ça me touche beaucoup. Dites à Carella que je suis désolé. Merci, Jensen. Je vous avais mal jugé.
Vous l'avez récupéré? Adam, je vous en prie, vous devez récupérer cette vidéo. J'ai votre vidéo. À charge de revanche, Tim. Oui, quand vous voulez, Jensen. Oh, merci du fond du cœur. Je vais pouvoir respirer. Tenez, voilà votre mode d'armement, comme promis. Écoutez, je sais que vous pensiez agir pour le bien d'autrui, et je respecte ça. Mais vous devez le faire par des moyens légaux. La prochaine fois, vous aurez peut-être moins de chance. Ouais, vous avez raison, Adam. Je sais que vous avez raison. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Vous devez être Adam Jensen. Quel sens de l'observation? Madame Reed m'a prévenu que vous passeriez peut-être. Et ne le prenez pas mal, mais vous ne passez pas inaperçu. Je vais prendre ça pour un compliment. Elle dit que vous avez des informations concernant l'enquête sur la mort de Megan Reed et l'attaque du siège social de Sarif. Ouais, quel merdier. Une vraie guerre des tranchées. On a eu les fédéraux sur le dos, des instructions venant de 3 services différents et des pressions de tout un tas de lobbies. C'était pire que d'être le petit nouveau dans les douches en tôle. C'est un dossier très sensible. D'après Madame Reed, vous pensez que certaines procédures n'ont pas été respectées? Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous connaissez la musique. Madame Reed m'a dit que vous avez été dans la police. Dans une enquête, ça arrive qu'un inspecteur un peu fainéant laisse tomber certaines pistes. Mais là, c'était plus que ça. Comment ça, plus? Trop de choses ont été laissées de côté. Tout le monde voulait la conclusion tout de suite. Et chaque fois que j'ai insisté un tant soit peu, j'ai été rabroué par ma hiérarchie. Les gens voulaient classer cette affaire, et vite, ce qui n'est jamais bon signe. Dites-moi que vous avez quelque chose de plus sérieux. Eh bien, en fait, c'est là que vous entrez en scène. Il y a 2 pistes que j'ai dû abandonner. J'ai commencé à tâter le terrain, mais ces types, apparemment du gouvernement, m'ont foutu les jetons. J'ai eu peur. À quelques mois de la retraite, je voulais pas tout foutre en l'air. Mais vous, vous avez les moyens d'aller au fond des choses. Alors qu'est-ce que vous avez ? D'abord, cette rumeur comme quoi l'ordre de classer l'enquête venait de très haut. De plus haut que la police de Détroit. Et si cet ordre existe, il a dû passer entre les mains du capitaine Penn. Il y en a peut-être des traces sur l'ordinateur de son bureau. Je peux toujours aller faire un tour au commissariat local. Ouais, et puis tant que vous y êtes, il y avait un inspecteur affecté à cette affaire. Chet Wagner. Pas exactement un enfant de cœur. C'est pour ça que quand on lui a confié l'affaire, j'ai trouvé sa louche. Quelqu'un l'a mis là dans un but précis, et je mettrai ma main au feu qu'il a falsifié des preuves. Allez lui parler, voyez ce qu'il sait. Ok, je vais rendre une petite visite à l'inspecteur Wagner. Il est sans doute dans l'entrée.
Il a été rétrogradé pour conduite indigne, et maintenant il prend les dépositions. C'est pas un client facile, mais je suis sûr que dans son bureau, vous trouverez quelque chose pour faire pression sur lui. C'est au troisième niveau, et il y a forcément de quoi lui délier la langue. Autre chose qui pourrait m'intéresser ? Ouais. Quand l'ordre de classer l'affaire est arrivé, les pièces à conviction ont été enfermées dans l'entrepôt. Vous pourriez le fouiller, on ne sait jamais. C'est dans la ruelle, juste à côté du commissariat. Le code est 48-91. Mais je sais qu'une agence extérieure a eu accès à cet entrepôt. Alors soyez prudent. Merci pour les conseils. Bah, de rien. Oh, et s'il vous plaît, inutile de vous embêter à revenir ici me raconter ce que vous aurez trouvé. Si je peux vous aider, c'est très bien, mais moins j'en sais sur cette affaire, mieux je me porte. Comment vous êtes-vous retrouvé sur cette affaire ? Je ne l'ai pas demandé, si c'est ça que vous sous-entendez. Pour être franc, je n'en voulais pas. Pourquoi ? J'étais un flic honnête, Jensen. Je me suis toujours efforcé de respecter la loi à la lettre, y compris toutes les procédures. Pas vraiment ce qu'on attend d'un enquêteur sur une affaire comme celle-là. Vous avez parlé d'une agence extérieure qui aurait eu accès au dépôt. De quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, j'ai vu, enfin, on m'a raconté, que des agents du gouvernement avaient pu enfermer certaines pièces à conviction sensibles dans un coffre à l'intérieur du dépôt. Allons, Chase. Pourquoi vous me dites pas tout ? Merde. Bon, écoutez, je suis allé fouiner dans l'entrepôt et j'ai trouvé le code du coffre. Mais je me suis fait prendre par un de ces types. Il sait que je sais, Jensen. Si je vous donne le code, ils sauront que ça vient de moi. Traitez-moi de pessimiste si vous voulez, mais je sais que ça finirait mal pour moi. Pourquoi avoir pris votre retraite pour devenir garde de sécurité ? À vous entendre, on sent bien que votre ancien boulot vous manque. J'adorais l'idée d'être dans la police. J'ai toujours voulu m'engager, depuis tout petit. Mais à un moment, j'en ai eu marre. C'est pas comme je me l'étais imaginé. C'est un boulot. Il y a des gens qui le font bien et d'autres qui s'en foutent. Et ça se voit. Cette affaire, l'affaire Sarif, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est tout ce qu'il me fallait pour le moment.